Je me souviens, c'était mon agent qui m'a appelé pour me dire est-ce que tu peux faire des essais la semaine prochaine pour une série de télé. J'ai fait oh non, surtout pas. Ah, non, je veux même pas en entendre parler. Non, je regarde pas. Et puis, moi, je m'étais dit, je travaillais pas, donc je vais arrêter de travailler. Et si en plus, c'est pour avoir des essais pour une série, non, merci, non. Et puis, j'ai fait un rêve. Elle est folle. J'ai rêvé que j'étais avec ma meilleure amie qui est actrice aussi. Et on avait toutes les deux ce moment-là, donc un peu de mal à travailler. Et j'ai rêvé qu'on allait se faire piétiner par un taureau. Et je vous raconte tout. Et donc, elle me dit... il faut pas bouger. Et moi, je lui dis dans mon rêve, si, il faut bouger. Voilà. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais oui, il faut bouger. Bon, je sais, ça paraît complètement idiot. Mais donc, je me suis dit, tiens, et j'ai eu envie de lire ces essais. J'ai trouvé que le texte était super bien écrit tout de suite. Oh non. Non, là, c'est la goutte, là. Moi, je peux plus. Et puis, j'ai fait les essais donc, pour ce rôle-là. Et puis, j'ai croisé Anne... qui m'a dit, quand j'ai écrit Fabienne Lepic, j'ai pensé à toi. Elle m'avait vu au théâtre, elle m'avait vu jouer dans Jacques et Mylène il y a longtemps, et donc elle avait pensé à moi, et je me suis dit, ah bon, mais elle est sûre, mais non. Oh. Et puis finalement, voilà, elle avait raison. Ouais. Évidemment qu'elle avait raison.